Bienvenue dans cette vidéo MPC Lounge. Dans ce tuto, nous allons ajouter le nouvel effet Pumper qui émule le sidechain sur notre piste électronique. C'est très pratique à utiliser en live ou dans n'importe quel environnement studio. Nous allons ajouter ceci à notre piste de pad, aller dans les inserts, sélectionner Air Pumper et appuyer sur Select. Edit, nous pouvons maintenant ajuster tous nos paramètres, tels que la profondeur, la vitesse, la forme de relâchement et le décalage du déclenchement, l'attaque, le maintien et le relâchement. Nous pouvons également passer en revue nos pré-réglages en les chargeant ou en les sauvegardant. Pour éditer n'importe lequel des paramètres, vous pouvez utiliser les Q-Links sur le côté droit qui sont automatiquement mappés à chaque paramètre. On peut ajuster la forme du relâchement et nous pouvons baisser la profondeur. Et ajuster ensuite l'attaque sur l'enveloppe du pumper.